Et salut à tous, voilà nouvelle vidéo, je suis à Angkor devant le Angkor Wat, l'édifice religieux le plus gros au monde. Donc c'est celui que vous avez vu dans le timelapse. Donc le site ici a été construit de 800 à 1400, c'est devenu aussi la capitale et après ça a été abandonné. Ce qui a fait son succès, j'ai vu, c'est qu'ils avaient un méga bon système hydraulique en fait pour stocker l'eau pendant les périodes de mousson et la redistribuer à la population. Et c'était classé au patrimoine de l'UNESCO en 1992. Voilà, merci Google. Donc on va aller faire celui-là et deux autres temples que j'ai déjà fait mais qui sont super beaux, ça ne me dérange vraiment pas de les refaire. Et sinon je vais aussi essayer de trouver un petit endroit pour faire décoller le drone et puis avoir des belles images du Angkor Wat le plus connu. Je vais essayer de me trouver un petit coin parce qu'il y a pas mal de forêts aux alentours. Je vais aller me planquer là-bas et puis, on va essayer de faire un beau petit plan quoi. Ça sera court parce que je vais juste tourner ici, je vais pas m'amuser à faire tous les temples. Donc en attendant on va essayer de visiter celui-là. Après on ira aux deux autres et puis à la fin on fera le drone. Donc voilà, là je viens de rentrer à l'intérieur, donc je viens de là. Mais ce que je savais pas, c'est que t'atterris en fait dans un jardin encore dedans en fait. Et ça fait tout le tour. C'est vraiment gigantesque quoi, c'est énorme. Donc là on va aller là-dedans, on va essayer de monter en haut. J'ai pas envie de faire le tour, c'est tout le temps la même chose après, hein. C'est les quatre côtés pareil. Oh putain le monde. Ah ouais mais non là, là je vous dis tout de suite on va pas aller dedans. C'est abusé là. Ça finit pas. Ah, tu vois je suis resté 10 minutes à tout casser parce que en fait il y a tellement de monde. Je trouve que ça gâche un peu le lieu, tu vois. Tu vois, hier j'aimais bien me paumer tu vois, dans les endroits où il n'y avait vraiment personne. J'étais vraiment. T'entendais le cri des oiseaux et tout, alors que là c'est vraiment archi blindé de monde. Et je trouve que ça gâche un peu la magie on va dire, du lieu, tu vois. C'est pas la même chose que les autres temples. J'espère que là aujourd'hui, quand je vais te montrer, il n'y aura pas autant de monde que là. Parce que là c'est vrai qu'on est dimanche, donc peut-être qu'il y a plus de monde que d'habitude. Je sais pas comment c'était les autres jours. Mais c'est vrai que c'est comme ça tout le temps, c'est pas génial quoi. T'as vu, il y a la file d'attente pour monter en haut, tu vois. Bon après je comprends, hein, tout le monde veut voir, mais les autres temples quoi, c'était plus naturel on va dire, voilà. Et cette sensation un peu de, tu vois, Indiana Jones, tu vois, un peu de découverte comme ça. Donc c'est parti, on change de temple. Là je vais récupérer mon vélo. Donc je te montre après vite fait la place quand même, parce que je t'ai rien montré encore. Bon voilà, là je suis devant l'entrée principale en fait. Je sais pas si on verra bien, parce que c'est à contre-jour un peu. Donc là t'as tout le parc. C'est là où t'arrives en fait. C'est super beau quand même. Vraiment ce monstre, c'est énorme.
En fait, il y a énormément encore à reconstruire, hein, quand tu vois le nombre de pierres qu'il y a. Mais j'avais vu, en fait, les archéologues ici, ils ont vraiment pour boulot d'entretenir et de reconstruire les temples. Et en fait, il n'y a pas eu beaucoup de fouilles qui ont été faites. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Tu regardes les détails, c'est abusé. Tu vois, on dirait que ça vient d'être fait, quoi. Regarde-moi celui-là. C'est magnifique. Tu vois, ce qu'il faut se dire aussi, que ça a plus de 1000 ans, quoi. Enfin, je sais pas quand il a été fait, mais minimum 700 ans, quoi. C'est abusé quand même. Quand tu vois les détails, comment c'est conservé, quoi, c'est vraiment ça maintenant. Tu regardes sur le temple là, tu vois, il y a tout le temps des visages comme ça partout, dans toutes les directions. Et en fait, j'ai vu que c'était la tête du roi. Et soi-disant, c'était pour, en gros, qu'il surveille tout, tu vois, partout. Bon, voilà, on a fini de visiter le temple là. Donc là, on va aller au dernier temple. C'est mon préféré parce que je trouve que c'est le plus naturel. Enfin, il est dans la forêt comme ça avec un arbre de malade qui est énorme. Et il est vachement grand, donc tu peux un peu te perdre et être seul comme ça dans le temple. C'est vraiment pas mal. Donc c'est parti. Alors, oh, it's okay. $1. Yeah. You buy three, double $2. No, it's okay. You buy one. Sorry. Keep $1 no. For one. No. Oh, Mister, you buy one. Look, keep $1. You say hello. 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 Okay, $1 for one. No, thank you. Oh, Mister, you buy one. Okay. No, thank you. Give $1 for one. No. Okay, two. Sorry. For one. No. Oh, Mister, okay, two for one. Okay, two. It's your friend? No. No. Okay, two for one. C'est un robot. C'est abusé. Okay, il parle tout seul. Okay, two for no, one. Sorry. Okay, $3. Oh là là, c'est abusé, c'est. Okay, three for one. Sorry. Bye bye. Okay. J'ai fait exprès de filmer parce que je savais qu'il allait venir. Mais c'est comme ça quasiment partout, sur chaque endroit. T'as des enfants comme ça qui viennent en mode triste au taquet et qui essayent de te vendre des petits souvenirs, quoi. Et c'est vraiment des robots, ils se rendent même pas compte, tu leur parles, c'est des robots. Vraiment des robots, c'est triste quand même à voir ça. Tu vois, je trouve que ça n'a rien à voir avec les autres temples, tu vois, c'est vachement calme, t'es un peu dans la forêt comme ça, y a presque personne. C'est vraiment. C'est mon préféré, franchement, c'est le top, ça, celui-là. En plus, tu vas voir après quand je vais te montrer l'arbre et tout, tu vas halluciner, c'est un truc de fou. C'est énorme. C'est vraiment magnifique. C'est ça que j'aime bien dans le temple là, c'est que tu peux t'éloigner un peu et puis y a personne, quoi. Là t'es tout seul. Y a pas un bruit, quoi. Bon, voilà, je te montre à peu près ce que je voulais. Bon, après, tu vois, les temples, c'est un peu tout le temps pareil, tu vois. C'est pas. Moi, c'est pas un truc qui m'intéresse à fond. Bon, c'était un truc à faire, tu vois, mais 3 jours, franchement, ça m'a suffi largement, tu vois. Les temples sont très beaux, mais après, voilà, l'intérieur et tout,
c'est un peu pareil. Bon, je sais pas s'il y en a qui s'y connaissent, ils vont me traiter, je sais pas, mais c'est vrai qu'après, ouais, tu te lasses assez vite. Une semaine, tu vois, ça serait largement trop pour moi. Hein. À part si t'es passionné et tout, et puis à mon avis, t'aimes vraiment ça, ouais, bon, là, pourquoi pas, mais franchement, je pense que 2 jours, ça serait le top, tu vois. Bon, 3, on va dire, c'est la petite journée bonus, j'en ai profité pour retourner sur le site, puis filmer un peu, enfin, vous montrer un peu ce que j'ai vu, voilà. Donc là, maintenant, c'est parti pour essayer de faire décoller le drone. On va essayer de trouver un petit endroit sympa où il n'y a personne. Donc, let's go. Normalement, au bout, ça forme un angle. Et là, je suis vraiment au maximum enfoncé dans la forêt. Donc, juste en espérant qu'il n'y ait personne. Donc voilà, ça devrait le faire. Voilà, je pense qu'on va le faire là. Même en vélo, je trouve que c'était long, tu vois. Je suis arrivé de là, et puis tu repars par là, tout droit. En fait, il n'y a personne qui vient ici, parce qu'il y a juste... Je trouve que c'était pas mal, tu vois. Il y a un petit temple au bout. Je vais le faire là.